La DPJ de la Mauricie du centre du Québec sera placée sous tutelle, c'est ce qu'a ordonné le ministre Lionel Carman. Un dossier d'enquête présenté par la presse ce matin dévoile des faits troublants. Molly, on peut y lire que les droits de dizaines de familles ont été carrément bafoués. On peut qualifier ça de rapport d'étape qui a été soumis au CIUS Mauricie, centre du Québec, en juillet dernier. Rapport qui est une enquête, en fait, qui a été menée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, dont la presse a obtenu une copie. Et là-dedans, bien, on y dévoile des faits assez troublants. Ce serait donc une enquête qui a été menée sur 140 dossiers d'enfants de moins de 6 ans de la DPJ ici en Mauricie, centre du Québec, qui ont été placés pour adoption. Il serait écrit là, dans ce rapport-là qu'on reproche, entre autres, à des intervenants d'avoir procédé à l'adoption des enfants sans qu'il n'ait eu d'évaluation complète, qu'on ait tous les facteurs en main pour procéder à l'adoption. Autre chose aussi, c'est que des rapports erronés, parfois même incomplets, auraient été présentés devant le tribunal et par la suite, les enfants qui auraient été adoptés. Le ministre Carman, l'année dernière, suite à des allégations du même genre, plutôt troublant, bien, avait commandé une enquête justement à l'interne ici pour la DPJ. Résultats qui ne sont pas encore arrivés, mais là, c'est la goutte de trop. Il a demandé la tutelle. Ce qui m'heurte le plus, là, c'est que c'est contre les directives qu'on a mis sur pied. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Là. Ça fait 6 ans que je dis qu'il faut faire plus de prévention, il faut accompagner les parents, il ne faut pas enlever les parents des enfants. Puis là, je lis ça ce matin. Je suis déboussolé de lire ça. Le problème semble local. Moi, je fais la tournée de toutes les régions. C'est le seul endroit où on avait entendu parler de telles pratiques. Bon, Molly, quels sont les recours pour les familles? À première vue, il semble assez limité, selon Maître Valérie Assouline, qui, elle, pourrait croire à un recours collectif de la part des 140 familles. Par contre, est-ce qu'il est trop tard pour retirer par la suite ces enfants-là, alors qu'il y en a plusieurs qui sont placés depuis plusieurs années? On n'a pas le droit d'agir comme ça avec des familles. Et souvent, il faut le souligner, des familles vulnérables qui n'ont pas les moyens de se défendre. Alors, on va leur retirer leurs enfants sous des faux prétextes. Imaginez, vous êtes le parent, imaginez l'enfant qui va grandir pensant qu'il a été abandonné alors que ses parents se sont battus et alors que ses parents auraient pu l'élever. Pour ce qui est de la durée de la mise sous tutelle, le ministre Carman s'est contenté de dire que ça prendra le temps que ça prendra. Merci, Molly.